Bonjour, aujourd'hui il vous faut de la farine, du beurre fondu, du sucre de canne, des œufs, de la poudre d'amande, de la levure, du sel, du miel et de la poudre de cacao. On commence à verser le sel dans le sucre, ensuite on verse le cacao. On remue le tout. Ensuite, on casse les œufs. On remue. Ensuite, on rajoute la poudre d'amande. Ensuite, on rajoute la farine, le beurre fondu, la levure, on remue, on rajoute le reste de farine et on remue le tout. On rajoute le miel. Ensuite, on verse notre pâte dans notre moule à cake. Donc, si vous n'avez pas un moule en silicone, vous n'oubliez pas de beurrer ou de fariner votre moule. Ensuite, nous allons le mettre une heure au congélateur et pendant ce temps, n'oubliez pas de préchauffer votre four. Quand votre cake est congelé, n'oubliez pas de le tailler dans le centre. C'est très important pour que le cake se lève à la cuisson. Ensuite, on le met donc dans le four une heure à 160 degrés. Notre recette est maintenant terminée, voici le résultat. J'espère que cette recette vous aura plu et à la prochaine.